Hey yo les gens, c'est Prédit du 59 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8, oui c'est ça, de Disney Dinosaur. Je compte jusqu'à 3. Oula, j'ai une impression de déjà vu. Est-ce que ça veut dire que cet épisode se passera bien? Apeurés, les trois bébés Iguanodons se sont égarés dans la caverne, mais comment les retrouver dans une telle obscurité? Eh ben avec des pierres phosphorescentes. Alors c'est... Celle-là... Non... Hop, hop, là, voilà. Notre pierre serait bien utile pour progresser dans cette grotte. C'est mon tour. Tu m'étonnes. Alors, tout d'abord, on va... Je ne vois rien dans l'obscurité. Voilà, Zini, tac, un cristal de vie. Oh. Ça tremble! Ça tremble! Ça tremble de partout! Et voilà. On peut plus retourner en C'est parti. arrière. Eh ben donc on va passer par là. Ici il y a des ennemis. Non? Ils spawnent après alors. Ouais. Ils spawnent sans doute après. On va commencer par là-bas. Le reste des pierres est à nous et on défonce le mur. Je vais jeter un coup d'œil. Vas-y, va jeter un coup d'œil, ma puce. Ah. Raté. Pas me faire chier, toi. T'es où? Saleté. Voilà. Va pas Dois-je me faire vraiment y chier. aller? C'est parti. Donc là, faut prendre la lada. Un cristal de vie. Voilà. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre ce chemin, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Je ne fais que passer. Et là, le retour de la lumière. Et Albert, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Albert? T'es pas content, Albert? Allez, Albert. Allez, voilà, est mort, Albert. C'est mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Une seconde, j'ai encore marché sur un rocher. Hop, on prend ce point-là. Il n'y a rien à faire par là-bas. Ah, c'est... Je crois qu'il fallait Je vais pousser un jeter un coup rocher. d'œil. Bon, allez, hop, on monte. On entend des pleurs de bébé. J'achète. Je tiens à dire que ce moment, on le voit pas dans le film, hein. Ah. Oh mon Dieu. Ils sont partout. Ces fruits étaient de placés d'une telle sorte à rappeler les Illuminati. Tin tin tin. N'aie pas peur, suis-moi! Alors...
Hop, on descend. Et on y va. Hop, plante régénérante. Allez, là on a encore des dinos à trop. On a encore les dinos à ramener là. Putain, sérieux, ici, on est des babysitters. Des dinositters. Ouais, on fait du dino-sitting. J'ai trouvé le nom de l'épisode. Allez, hop. Nous allons prendre soin de toi. N'aie pas peur, je vole juste au-dessus du vide. N'aie pas peur. Hop. Ah oui, si, c'est pour ça qu'on devait passer par là. Il y a deux mobs qui ont spawn. Hop. Passer par là pour rejoindre nos compères. Allez, c'est parti, en route. Qu'est-ce qui se passe? Hop, ah, sur la route. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. On fait s'écrouler les ponts. C'est parti. On prend ces deux-là. Hop. Hop. Cristaux de vie par là-bas. La maniabilité des virages est vraiment nulle dans ce jeu. Hein. Allez-y pour tourner. Une seconde, j'ai encore marché sur un rocher. Ouais, ouais, on a compris. Voilà. C'est mon tour. Je ne fais que passer. Maintenant, on casse tout ce qui sert à que dalle. Hop, ça c'est fait. Voilà, tout ça c'est inutile. Il n'y a rien d'autre. Si, par là-bas il doit y avoir des... Hop. Voilà. Et le dernier qui doit se trouver là. Voilà. Et voilà, qui mènera la suite du niveau. Et là-bas aussi. Voilà. On pourra maintenant aller chercher les deux gosses. Voilà, et voilà, hop. Fini. J'y vais. Tac. Alors les virages serrés, c'est parti. Doucement. Foula, on dirait que je marche dans le vide ici. Oh. Calmos. Calmos. Voilà qui pourrait être utile. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Putain, mais c'est sérieux. Ah, j'ai pas cassé la plateforme, tant pis.
Hop, on casse ceci. Et on casse ça et ça. La lumière, elle est rétablie. On remet notre point. On y va. J'ai besoin d'aide. Une seconde, j'ai encore marché sur un rocher. Avant-dernière pierre. Voilà. Tac. C'est mon tour. Bon débarras. Hop. Hop. Et hop. Hop, toi tu jartes. Encore les Illuminati? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oula, c'est quoi ce spawn là? Il va se calmer, non mais. Il s'est cru où lui comme ça? Non mais. Alors. J'aurais bien besoin d'une petite friandise. Ouah, wow, enfin, ta friandise, tu te la... Alors, passe par là... Ah, ouais, il y a deux fruits, j'avais oublié deux fruits. Ah, mes bras pétés. C'est ça que j'ai oublié. Bref, passe par là... Alors, il y a une arche ici. C'était par... bah oui, là on a défoncé le mur. Hop, point de vie réaugmenté. Alors cette pièce-ci, il n'y a que ça dedans. Quelle chance. Oula. Tremblement de terre ici. Pénèse. Quelle idée d'emmener des gosses là-dedans. Pourquoi ils ont mis une arche, j'en sais rien du tout. Hop. Ouais, sans doute pour passer par là en rentrant. Pas de panique. Qu'est-ce que indique la carte par là? Ok, que dalle, juste un endroit secret. Tant pis pour l'astéroïde, je peux pas avec le boss. Voilà, j'ai quand même mis mon XP. Hop. Par là. On va aller reposer le gamin. Ah, Raptor Caspawn. On se le fera à la fin, celui-là, je pense. On va les retrouver à la dar pour qu'il fait ce qu'il y a à faire. Bon voilà, hop, ça va pas me faire si longtemps. Au moins Fly elle a tout fait. Ah putain. Hop.
Tiens, fais-moi pas chier. Vas-y, y a rien par là. Grande muraille de Chine. Dois-je vraiment y aller? Ouais, tu dois y aller. Alors on est à combien de temps d'épisode là? 15 minutes. J'achète. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre la lumière. Je me demande comment il a fait pour se retrouver là. Tout comme l'autre d'ailleurs. C'est une plateforme dans le vide. C'est peut-être les deux tremblements de terre de tout à l'heure qu'ils ont fait s'effondrer les parois. Je sais pas s'il y a un ordre précis pour récupérer les gosses. Ouais, non, qu'est-ce que je fous là? Faut que je prenne Faya. Que je vais par là. Que je prenne Aladar pour péter le mur parce que j'ai oublié de le faire. Quelle perte de temps. Oui. Allez, c'est parti. On doit faire tout le tour. Hop. Hop. Et hop. Je ne fais que passer. N'aie pas peur, nous allons prendre soin de toi. Ouais, courage, il y en a déjà deux, il y a déjà deux gosses comme toi qui... Ah ok d'accord, de l'autre côté. Il y a déjà deux gosses comme toi que je vais emmener au-dessus du vide, alors t'inquiète pas, hein, t'es le troisième. Après tout, jamais 203. Allez, c'est parti pour aller le déposer. Une seconde, c'est mon tour. Je vais prendre ces deux-là et faire un groupe tous ensemble, unis, dans la joie et la bonne humeur. Non, c'est par en haut. Ah là là. On a fini de faire notre dino sitting. Voilà, mode collectif, on y va. Il y a juste deux raptors à péter sur le passage, et puis c'est bon. Et des icano machin chouette là. Qu'ils ont respawn entre deux. Allez, venez me voir. Hop, 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 voilà. To shoot. Et voilà, c'est fini. Ah là là. Cinématique. Putain, c'est long. Que tu aimes les enfants. Ouais, les maigrichons sont un peu durs sous la dent. Je m'appelle Aladar, le grand nigosaur. Oh, je te demande pardon. Tu as certainement raison. Papa, réveille-toi. Pourquoi as-tu aidé cette vieille? Que pouvions-nous faire d'autre? L'abandonner? Oh, tu es en train de me dire que vous... Mais ça arrive tout le temps.
tu ne survis pas si tu n'es pas... assez fort. Eh bien... oui. C'est toi qui parles, ou ton frère? Tout est si différent, je ne sais plus quoi penser après présent. Écoute, Mira, si nous veillons les uns sur les autres, nous avons tous une chance d'atteindre la Terre des Nids. Tu sembles si sûr de toi. Je ne suis sûr de rien, mais c'est ce en quoi je crois. Oh, drama! Il y a du drama! Allez les gens, c'est enfin la fin de cet épisode. Donc on se retrouve très prochainement pour l'épisode 9 qui, je crois, durera plus longtemps, par souvenir. Allez, bye.